Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers résidents, chers patients. Nous sommes très très heureux d'accueillir cet après-midi l'orchestre Variation. D'autant plus heureux que notre ergothérapeute préféré. Joue parmi eux. Voilà. Alors je vous remercie infiniment et vraiment très chaleureusement d'être venus jusqu'à nous cet après-midi. On en est extrêmement heureux et merci pour votre générosité. Et on vous applaudit très chaleureusement. Bon concert. Bien. À notre tour, mesdames et messieurs, de vous remercier parce qu'avec Madame Masson, ça fait, je crois, 2-3 ans qu'on essaie de trouver un jour pour pouvoir venir vous présenter notre formation et ça a été difficile. Nous y sommes arrivés, voilà. Donc l'orchestre Variation, c'est l'orchestre de l'école de musique du Pays Grand Combier avec des élèves de l'école de musique et bien sûr des adultes. Donc normalement la formation c'est à peu près 30 à 40 musiciens. Aujourd'hui nous sommes 32 et on espère que le programme que nous allons vous proposer vous satisfera. Voilà, bon après-midi à tous et à toutes, merci. Attendez, excusez-moi, je n'ai pas présenté le chef, Marc Dumas. Je vais vous présenter.
morceau s'appelle Pasadena. Il a été écrit et arrangé par Jacob Dehaene et au saxo alto, solo, Pauline Imbert. Voilà. Maintenant, le deuxième morceau s'appelle Strauss Party. Alors, j'espère que vous allez reconnaître les morceaux parce que vous avez dans ce morceau plusieurs extraits. On entend d'abord la marche de Radetzky de Johann Strauss, Guillaume Tell, Lecce Cavalerie et le fameux cancan, le fraîche cancan de Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach. Voici donc Strauss Party. Trompette et bariton.
Ah bah voilà. Merci. Ça va ? Tout va bien. On va continuer par un morceau qui s'appelle Oregon. Alors c'est un voyage musical dans l'ouest des États-Unis du Nord. Et vous allez reconnaître des... J'espère que vous aimez les westerns. Mais vous allez entendre les chariots des pionniers à la rencontre des Indiens et des cow-boys et des chercheurs d'or. Et la musique prend la forme d'une aventure digne d'un western. Voici donc Oregon. Thank you.
piano, Amélie. Ouais, bravo. Thierry Gréblot au baryton. Bon, je continue la tournée de l'orchestre, je vous présente au fur et à mesure. On a présenté Manon, mais on n'a pas présenté Jacqueline, les deux bassistes de l'orchestre. Manon et Jacqueline. Ouais, Manon, on aimerait bien la voir. Vous avez vu, Jamie, Manon, tu restes debout le reste du temps. La famille des saxophones, ils vont se lever, les saxos. Voilà. Ouais. Alors, à votre droite, vous avez les saxos alto. Ouais. Je soulève, voilà, des hauts. Le saxo soprano. Ouais. Le saxo ténor. Ouais. Et le saxo baryton. Ouais. Voilà. Alors là, on va vous jouer un morceau, je suis sûr que vous allez connaître les airs, mais je ne vous dis pas lesquels. Après, je vous poserai des questions pour savoir si vous avez reconnu les titres. Et si ce n'est pas les titres, les interprètes. Ça s'appelle Vive la France. Quoi de mieux? Vive la France. Voilà.
combien il y en avait de chansons? Mais il y en avait 6 avec 5 interprètes différents. Vous aviez Poupée de cire, Poupée de son de qui? Non, France Gall. France Gall, bravo. Madame Masson est bien branchée. Non, je ne regrette rien de Edith Piaf. Et maintenant de Gilbert Bécourt. Pour un fleur de Michel Delpech. La vie en rose de Edith Piaf. Et les Champs-Élysées de Joe Dassin. Ben vous les avez tous trouvés. On va les applaudir. Bravo. Eh bien, on va continuer avec peut-être quelqu'un que vous avez déjà entendu. Il est né le 26 janvier 1947 dans le 17e arrondissement de Paris, parce qu'il y a quelqu'un qui le connaît. Fils des comédiens Fernand Sardou et Jackie Sardou, il est aussi le petit-fils du comédien et humoriste Valentin Sardou. Il s'agit donc de Michel Sardou. Bravo! Il compte depuis les années 1970 parmi les chanteurs français les plus populaires. Comme en attestent ses ventes de disques et l'affluence du public lors de ses rentrées parisiennes. Alors, en plus de 40 ans de carrière, il a enregistré 25 albums, on va dire 25 disques, hein, ça sera mieux, en studio et plus de 300 chansons. Ben là, pareil, après, essayez de trouver combien on a joué de titres de Michel Sardou. Voici donc Michel Sardou. Ah, vous êtes habillé en star. Elle a mis le papier. Côté la suite.
Il y en avait quatre. La maladie d'amour. Ouais. Vous l'avez reconnue. Ah ouais. Oh. Le lac du Connemara. Oui. Aussi. Être une femme. Oui. Vous connaissez toute la... tout Sardou. Et le rire du Serjac. Voilà, donc ça faisait quatre. Tout à l'heure, j'ai oublié de faire applaudir le saxo-ténor soliste, Lydia. Ouais. Voilà. Et j'ai pas, je vous ai pas présenté encore la première rangée avec les flûtes, le hautbois et les clarinettes. Voilà. Alors, les flûtes sont à droite. Le hautbois est au milieu. Et les clarinettes sont à gauche. Et tout l'orchestre. Alors on va continuer sur un morceau un petit peu plus récent, ça s'appelle Skyfall et ça a été chanté par Adele et ça date de 2013. Voilà, donc voici donc Skyfall.
continuer le programme avec une musique de film. Il s'agit de Pirates des Caraïbes et ça a été écrit et arrangé par Ivo Gowenwen. Voici donc la musique du film Pirates des Caraïbes. Ce petit concert, j'espère qu'il vous aura plu. Ouais. Oui. Une petite marche polka, spécialement pour les danseurs.
spécialement pour l'hôpital de Pontet. Tout ce qu'on a travaillé, c'était pour vous. Voilà, on a essayé de vous apporter un programme un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire pour l'orchestre Variation, mais qui est joué dans les concerts. On a joué il y a 15 jours, nous étions à Chamorigo, pas très loin d'ici, et puis je vois des gens de Vielvic. Nous étions, Jeannot et son épouse, à Vielvic l'année dernière. Voilà, on aime bien venir ici, parce qu'il fait toujours beau et on est toujours super bien accueillis. S'il m'en reste un. Bon, le dernier morceau, mais je ne l'ai pas présenté, ça s'appelle I Got You et ça a été écrit par James Brown. Ouais. Ça change de style. Voilà. Thank you.
avez entendu au solo de trombone Tristan. Voilà. Ensuite, on a eu Lydia au sax ténor. Adeline à la flûte. Pour terminer, Romain à la batterie. Merci. À une prochaine fois. Merci beaucoup. Ouais. J'ai pas bien entendu. Ouais. Il y en a deux qui ont dit oui. Encore. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ouais. Merci. Alors, on y va, prochainement. Si vous voulez qu'ils reviennent, laissez le passer. Ouais. Bon dimanche. Merci beaucoup. Merci. Merci.